twee vragen van meneer Weitz en van meneer en monsieur Gilles Quinet, pardon. Sur usurperende bevoegdheden, finale lijst, minister, raad, federale regering. Ja, dank u wel. Wel, meneer De Roepo, wij van de N-VA, wij hebben eigenlijk altijd gezegd, en ook in de vorige legislatuur, federale regering, stop eens met de uitoefening van bevoegdheden die niet de uwe zijn. En men noemt dat usurperende bevoegdheden of fantoombevoegdheden. Eigenlijk zijn het gekaapte bevoegdheden. Gekaapte bevoegdheden die u van de deelstaten heeft gekaapt en die u onrechtmatig uitoefent. En moest u daarmee stoppen, zou u veel geld kunnen besparen. Sommigen zeggen meer dan 1 miljard euro. En dus vroegen wij altijd aan u, ga eens samen zitten met de deelstaten om op voet van gelijkheid te overleggen en eens te bekijken hoe u gezamenlijk elkaars problemen zou kunnen oplossen. Maar wat u nu doet, want wij horen dat er lijstjes circuleren, wat u nu doet, is eigenlijk gewoon, u zegt tegen de deelstaten, jij moet onze financiële problemen oplossen en wij gaan zeggen hoe. Want u komt met een lijst niet van gekaapte bevoegdheden, u komt met een lijst van facturen. Een lijst van facturen die u wil doorschuiven naar de deelstaten. En dat is niet, er is geen samenwerkingsfederalisme, er is factuurfederalisme. U schuift uw facturen door naar de deelstaten en vooral dus schuift u de facturen door opnieuw naar de Vlaming. En ondertussen zegt Chris Peters, die zegt, er is daar een lijst inderdaad van meneer Chastel, maar die bestaat niet meer. Ik heb die verfrommeld, ik heb die weggegooid en die telt niet meer. Dus mijn vraag is heel eenvoudig, klopt dat inderdaad? Is er geen lijst meer? Bent u ervan afgestapt? Zeer terecht trouwens, goeie beslissing dan. Bent u ervan afgestapt of is er toch nog een lijst? En wat staat er dan op die lijst? Hoe wilt u verder werken? Of gaat u misschien afstappen dan toch van die lijst en misschien gaan samen zitten met de deelstaten om effectief gezamenlijk te beslissen in plaats van te dicteren wat de deelstaten moeten doen? Bedankt, meneer Weitz. Monsieur Gilles Quinet, sur le même objet. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous interroger sur les compétences délaissées, les compétences que l'État fédéral veut délaisser pour réaliser une économie de 250 millions d'euros. Parce que, en la matière, l'usurpation est du côté du gouvernement fédéral. Nous sommes dans un État fédéral, les compétences résiduaires appartiennent au fédéral, c'est l'article 35 de la Constitution. Il y a effectivement des compétences mixtes, ça existe depuis longtemps, ça n'a jamais posé de problème avant que vous décidiez de vous en décharger, ce qui est une décision politique et non administrative, comme vous essayez de le faire croire. Dans cette liste, on parle de plusieurs compétences et nous nous inquiétons particulièrement de la coopération universitaire au développement. La coopération universitaire au développement, c'est l'aide aux pays en voie de développement pour former leur propre élite de demain. C'est aussi la cohérence de notre politique au niveau fédéral, ce qu'on demande au niveau international, et la coopération entre universités belges, francophones et flamandes. Ce serait un très mauvais signal que de décider que l'État fédéral n'intervient plus en la matière. Mes questions sont donc les suivantes. Qu'est-ce qu'il y a dans cette liste? Où en sont les concertations avec les entités fédérales? Quelles sont vos méthodes en vue d'un accord? Et surtout, êtes-vous prêt à faire marche arrière par rapport à ce mauvais choix politique, notamment pour ce qui concerne la suppression des aides à la coopération universitaire au développement? Merci beaucoup, monsieur Jukilé. Monsieur le Premier ministre, madame la Première ministre. Merci, monsieur le Président. Beste collega's, zoals u weet hebben de zes partijen die deelnemen aan de regering bij de voorbereiding van de begroting 2012 beslist om 250 miljoen euro te vinden via uitgaven die in een verantwoordelijk federalisme normaal gezien niet door de federale staat gedragen moeten worden. Donc, je le répète dans l'autre langue, déjà quand on a rédigé l'accord de gouvernement et le budget en annexe, il a été décidé par les six parties qui forment le gouvernement de prévoir 250 millions
dans des dépenses qui, dans le cadre d'un fédéralisme de responsabilité, ne devrait pas normalement être à charge du gouvernement fédéral. Et donc nous avons anticipé ce souhait du fédéralisme de responsabilité. Die 250 miljoen euro vallen binnen de sanering van meer dan 13 miljard euro in 2012 na de budgettaire controle. À cet égard, je voudrais réinsister. Je sais que maintenant on en reparle comme si c'était un élément nouveau, quelque chose qui arrive et dont on doit faire l'objet. Ah, vraiment, voilà, là, il y a quelque chose de dramatique. Mais mes chers collègues, c'est non seulement déjà dans l'accord de gouvernement, en tout cas dans son annexe budgétaire, mais ça fait partie des plus que 13 milliards en un an que trouve le gouvernement fédéral dans son budget fédéral, sécurité sociale comprise, du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Je voudrais quand même le rappeler, c'est de ça dont nous parlons. Er vallen onder een rubriek dat we zouden moeten noemen responsabilisering en zogenaamde usurperende bevoegdheden. Je pense que nous devrions nommer cette rubrique non pas avec l'humour dont font preuve certains collègues, mais la vérité c'est que c'est une rubrique que l'on doit nommer responsabilisation et compétences dites usurpées. Dit begrip dekt verschillende domeinen. De inspecteurs van financiën hebben een eerste inventaris van deze uitgaven opgesteld. Ce sont les inspecteurs des finances. Ce sont les inspecteurs des finances qui ont fait tout un travail pour définir ce que eux pensaient être des compétences qui devaient continuer à être financées par le fédéral ou pas. Ça a été réexaminé. Au basis daarvan heeft de regering een lijst van betreffende materies vastgelegd. De domeinen zijn zeer uiteenlopend, van universitaire ontwikkelingssamenwerking tot bijvoorbeeld de pensioenlasten van de ambtenaren van de gemeenschappen en de gewesten. Et dans cette liste, il a été indiqué notamment pour la coopération au développement universitaire que, bien entendu, les programmes en cours et les gens concernés ne peuvent en aucun cas être touchés parce que nous sommes dans une phase de réforme institutionnelle et qu'un certain nombre d'éléments pourraient passer d'une institution à une autre. La responsabilité de tout le monde, du fédéral, comme des responsables des communautés, comme des responsables des régions, c'est bien entendu de ne pas faire subir aux citoyens et aux gens concernés, en particulier dans ce domaine, bien sûr, des effets qui seraient négatifs parce que nous sommes en train de travailler à la sixième réforme de l'État et que ça va prendre tout naturellement plusieurs mois. Deze lijst zal door de ministers van Financiën en Begroting voor overleg aan de deelstaten worden voorgelegd. We hebben daarmee niet gekozen voor een eenzijdige aanpak, maar wel voor een proces van dialoog. Ik heb al veel commentaar gehoord over deze eerste lijst. Nochtans is het overleg hierover nog niet begonnen. In plaats van vergeefse polemieken te voeren, lijkt het me verantwoordelijker en nuttiger om de dialoog te houden in de gepaste organen. De besprekingen zullen aanstaande dinsdag beginnen in het interministerieel comité van Financiën en Begroting. Et je ne doute pas à cet égard que chacun abordera ce travail avec le sens des responsabilités. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Meneer Weiss, pour les répliques.